Et re à tous, c'est Uzo. On se retrouve pour le 7ème épisode dans notre belle voiture. Et là, on s'arrête enfin à la station Cornix d'Alstor. Je pense qu'on va faire le plein, laver un peu la voiture et trouver de nouvelles quêtes. Ah, donc maintenant, on est désormais pendu. Ah, bah voilà, c'est ce que je demandais. Encore ? Se faire harceler d'appel, non ? Ouais. Ah, cool ça. イリスか。たく、兄貴に陰で。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルムね。一回合流するの。レスタルムは後回しか。まだ先じゃん。ちょっとだけ寄ろうよ。うん、ouais、moi je rejoins le relais des chocobos。C'est pas mal. Nice, ok. Bon, passons. Passons. Et en plus, il y a un restaurant ici, il me semble, non? Si c'est où je me trompe. Déjà, il y a une quête. Qu'est-ce que ça peut être? On va fouiller un peu la zone. Oh, bon, écoutez, on va se présenter à Sanya. On va récupérer l'objet qui est juste à côté d'elle. Voilà. Et on va parler à cette gentille dame.何?私なんかよ。あ、いや。つまり、私の邪魔をしただけと。ああ、こりゃ実に問題だよ。この喪失した時間を補うには。あ、君たちさ、私の仕事手伝ってくれない?本当?助かるよ。いや、手が足りなくてさ。早速だけど、カエル取ってきて、カエル。は?カエル?あ、今。 適当にそこらの通ってくりゃいいかって思ったでしょ。ダメダメ、楽は許さない。捕まえるのはレッドフロック。アルストの固有種だから。つまり、そこを降りてけば見つかるよ。それじゃ、私は仕事に戻るね。レッドフロック、先祖重視でよろしく。 Putain, elle demande beaucoup cette dame. Bonjour, le marécage dans le store. Ok. Bon, voyons voir ce restaurateur s'il a quelque chose à nous donner. Déjà, des informations seraient cool. Donc, il nous a donné les sanctuaires. Ouf, et les villes. Ok. Et les lieux de millage aussi. Les points de récolte, plutôt. Restons concrets. Karikula. Bon, écoutez, on va aller faire Karikula Galloper. Il a l'air pas mal, celui-là. D'être un gros truc facile à chasser. Bon, cet épisode, je vous promets que ça va pas être du farmage. Pas comme la dernière fois, je vous ferai un épisode farmage peut-être d'ici un ou deux épisodes. Mais pour l'instant, on va se concentrer du coup ouais, sur ces quêtes. Bon, là, on peut prendre le véhicule, c'est pas à perpète. Alors, on va faire le plein. Le véhicule avait pas trop d'essence. Voilà, ça c'est fait. Nickel, le réservoir est plein. Donc il fallait tuer des Karula verts et des Karula normales, ok. Bon, on va conduire en manuel. C'est parti. Là, si on peut conduire un peu plus librement, c'est cool. C'est parti.
dans notre belle régalia. Oui, faut pas aller trop vite. Rappelez-vous ce qu'on avait fait. On avait fait un petit accident la dernière fois. Un petit accrochage contre un mur. Allez, on part. C'est pas très loin en plus. Ça va, c'est nickel. On est dans la zone, on va se garer ici. Ouais, la météo elle est pas très agréable, n'est-ce pas? Ah ouais, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Ah ouais, putain, ils nous ont suivi ces bâtards. Allez, on va faire une petite éclipse tactique. Ok, on va les analyser. Ils sont ok, ils aiment pas trop ces armes là. Allez, c'est parti. Oula. Ah putain, je me suis fait attraper. Allez, c'est parti. Allez, on va faire un petit marquage pour faire un petit peu de nettoyage. En plus, ils sont un peu vulnérables aux dagues. Ouais, nickel, ça marche très bien. Par contre, c'est pas bon ça. J'ai plus de vie. J'ai plus du tout de vie. Franchement. Ouais, je sais, mais régénère-moi, j'ai rien de moi. Allez hop. Actuel est vulnérable à ça aussi. Ok, nickel. Ok, nickel. C'était chaud. C'était chaud mes amis. On se met derrière le mur juste pour Eugène. Ok, nickel. Là on va se poser par là. Ah, je sais, je sais. Mais moi je voudrais bien, voilà. Calicula. Hallebarde. Donc ça c'est bon. Moi c'est le vert que je voudrais bien. Ah là c'est celui-là. Qu'est-ce que celui-là pourrait nous dire? Ok. Bon, c'est parti les gars. Les Gladio, ils aiment pas trop ton arme. Vas-y, fais le ménage. Oh là là, c'est la grosse merde. Même quand on est par terre, on est vulnérable, les gars. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va se prendre une petite potion à Noctis. Ok, nickel. Ok, je peux pas encore le faire. Ouais. Ils aiment pas trop, mais moyen de te faire un peu de marquage là. Allez, nickel. Oulala, j'ai du mal là.
Les balles perçantes, ça va lui faire mal direct. On va se faire un autre verre. Ok, nickel. On va essayer de s'équiper de l'hallebarde, ce sera pas mal. L'arme motorisée, non. Non. Moi, c'est les armes fantômes que j'ai envie de tester là. Je suis allé tout seul là-bas, on va essayer de se le faire. J'avoue que j'utilise un peu de ma vie en faisant ça, mais. Quoi? Il m'a counter ou je sais pas ce qu'il m'a fait là, mais c'était un beau counter. Oh putain! À l'aide! Prompto, allez, vas-y! Un petit coup de flingue! Ok. Allez, un petit tourbillon, Gladio. Là, tu vas faire le ménage. Là. Nickel. L'autre verre. Ok, c'est parti. Un petit tir. Ok, on va changer d'équipement, on va s'équiper de sorts. Ouh, on a aussi des machines, des sulfateurs, sulfateuses. Ah ouais, carrément. Foudre, glace infectieuse. Ouais, ils sont pas résistants, faudra que je refasse des sorts de feu. Allez hop. Allez allez allez. Un tout petit tourbillon pour faire le nettoyage. Par contre Noctis est vraiment vulnérable de ouf. Par contre ça c'est vraiment un point faible. Allez Gladio encore un. Ok, là Prompto, tu vas me faire le. Tu vas me faire ce type. Nickel, go. Ok, lui il est fini. Vas-y, on enchaîne. Par contre, franchement, ils sont franchement. Je suis un tué. Je vais me foutre à un endroit stratégique là parce que j'en ai besoin. Ils aiment pas trop. Ouais, ça va pas m'en pencher de jouer avec cette arme. Je peux rien faire. Juste un coup d'épaule, ça me met. Mais ça m'enlève toute ma vie. C'est un truc de ouf. Donc là, je vais prendre un électir, je vais me remettre un peu full life. Mais c'est vraiment abusé ce truc.
On va se faire celui-là parce que là, il commence à vraiment me déplaire. Allez, Prompto, tu vas nous aider. Allez, fais une petite percée. Bon, on va les avoir, ces monstres de merde. C'est vrai que le combat il commence à devenir un petit peu long. Et là, on fait un tir perçant. Ça va le calmer direct. Les attaques dans le dos, franchement, c'est les plus meurtrières. Ah ouais, après une nouvelle recette ragout de Karagula. Ok. Le mec il se dit, bon je vais me taper une recette maintenant. Écoute, tape-toi les recettes que tu veux mec. Moi ça me va, hein. Tant que ça me porte des bons bonus. Allez, on va conduire directement. Et c'est parti. On va rendre cette quête. Putain, les quêtes de chat, ça devient vraiment très difficile. Mais franchement, regardez-moi cette vue. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Final Fantasy, ça a toujours été magnifique, quand même. Ça m'a jamais déplu au niveau des graphismes. Ce qui m'a déplu, c'était par exemple dans Final Fantasy XIII, ça devenait un petit peu ennuyant. On n'arrivait pas trop à suivre l'histoire des personnages qui changeaient d'un claquement de doigts. Et c'était un peu chiant. Et à l'époque, je faisais pas de vidéo, donc ça va. Vous n'avez pas assisté à ma déception. Mais un jour, ça me prendrait peut-être de refaire Final Fantasy XIII, mais dans une bonne ambiance, vous voyez ce que je veux dire. On va rendre ma quête. Et après, on va voir ce qu'on peut faire aussi. Voilà, oh, tu vas nous donner quoi là en retour? Nickel, 2000 gil pour ça, pour 15 minutes de combat. je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Du coup, les quêtes de chat, je vais laisser un peu de côté. Après, on va prendre un petit peu quelque chose à bouffer. Putain, saumon de Kenny protège complètement contre le poison. Ok. Ouais, alors pas mal, franchement. Je vais bouffer un petit saumon de Kelly, ça a l'air pas mal. Bon appétit! On dirait plus une omelette, mais bon. Lui il prend tout, on sait jamais. Moi aussi je testerais bien, c'est tu prends donc une omelette comme. Tu prends du coup du saumon et tu le mets dans une omelette, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut être vraiment pas mal. Du coup, il y a une quête là-bas, je vais la prendre. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les chocobos de Mister. Ah, mais c'est notre chasseur, ça va nous demander encore. Une petite médaille. Ouais, pas de soucis, mec. J'ai toujours été un bon chasseur et je t'aiderai toujours. Alors, par contre, ça c'est chiant, c'est que je te propose pas de prendre la quête directement. Par exemple, tu vois, un bon chasseur, voilà, je vais prendre la quête directement. Tu vois, la quête elle est à 1 km, voilà. C'est pas très loin, tu vois. Après, on va faire la quête du chocobo. Et après, moi je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va déjà faire la quête du chocobo. Allez, c'est parti.
Allez, parti dans notre régalia. Il y a un petit parking là pour profiter de la vue, mais nous on n'est pas là pour profiter de la vue. On est là pour aider le bon chasseur. Enfin. Donc c'est ça le météore, c'est pas mal. Franchement c'est pas mal hein, c'est beau même. Allez c'est parti, vas-y, on va se faire plaisir. Mais ouais, mais j'ai pas envie de le faire maintenant. Ah ouais d'accord, carrément. On t'oblige à y aller. On m'y oblige à y aller, mais bon, tant pis. C'est pas méchant. C'est pour la photo souvenir. Allons-y pour la photo souvenir. Mais mec, j'y pense. On est un peu... Ouais non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Elle est pas mal. Ça fait un peu... Je suis devant Gladius comme un gros PD. C'est très mal moche. Il commence à pleuvoir encore. Fait chier. On donne de l'XP hein, au final. Hein. Allez, c'est parti. Demi-tour direct. Excusez-moi, madame. J'avais besoin de faire un petit demi-tour. La nuit va bientôt tomber, donc faut que je me dépêche un peu. Bon, on est plus très loin dans tous les cas. Bon, on va se garer là directement. On va se garer là, c'est juste à côté. Comme ça, on se met pas en plein milieu de la route. Comme un bon citoyen. Allons chercher cette plaque d'identification. Bon, où est-ce qu'elle est cette plaque? Ok. Bon. On va l'identifier, celui-là, voilà. Allez hop, fais-moi le petit. Oh, il est mort direct le petit. Ah, par contre ça va les foutre en run je crois. Mais si, il l'a déjà.
Allez, un petit temps, tombion, Gladio. Mon perso, on va jouer avec la Mana Moon. Oh, ils sont plus faciles à tuer, là, eux, hein, putain. Nous, qu'on avait galéré tout à l'heure, au final, c'était assez simple. Avec un petit buff, ça aide toujours. Bon. Mais tu vas me dire que c'est eux qui ont tué le chasseur, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même que le chasseur se fasse tuer par ça, quoi. Mais je l'ai récupéré la plaque, elle est où? Ah bah elle est là. Elle est pas. Bon, cassons-nous d'ici, commence à faire vraiment nuit. Putain, nuit à 19h. Impression d'être en hiver. Comme nous en France, où la nuit tombe à peine à 17h. Ça c'est... Ok, nickel. Régalia. Conduite manuel, pardon. Faisons demi-tour. Ok, nickel, c'est parti. Cassons-nous d'ici. En espérant pas rencontrer trop aucun démon sur la route, ça serait un peu chiant. Et on va essayer de cumuler toute l'expérience qu'on a eu, on va essayer de l'accumuler. Et se poser tranquillou. Franchement, la régalia elle est classe. Hein. Ça change vraiment de la toute noire, toute moche qu'on avait au début du jeu. Mais je me demande qu'est-ce qu'elle pourra avoir en amélioration. Même si j'ai un petit peu une idée vu les trailers que j'avais vu à un moment. Mais je me pose quand même vraiment, franchement, la question de ce que pourrait nous proposer en amélioration la régalia. Peut-être un moyen d'aller plus vite, je pense. Ou des trucs comme ça. Donc à voir. On est plus très loin. C'est vrai que je vais voir si au vendeur, c'était lui le vendeur, le fameux vendeur qui nous donnait les peintures. Peut-être qu'il va nous donner des améliorations pour nos véhicules ici. Faudrait que j'y voie. Avant de me reposer, je vais quand même zoïter tout ça. Donc je rentre la quête, zoïter ça. Et après le repos, on va aller voir les chocobos. Et je pense qu'on clôturera ça sur les grenouilles. Ou si on n'a pas trop le temps, on clôturera sur les chocobos. J'ai pas envie de vous proposer trop d'épisodes trop longs qui dépassent une heure. Non, j'ai envie de rester dans le cadre des 30 minutes, 50 minutes. Voilà. On interroge les habitants. Limite, on est là pour découvrir un meurtre. Putain, c'est pourquoi il fait vraiment nuit, quoi. Allez hop, rendons la quête. Pas de soucis, ma poule. On est toujours là pour aider. Et vu l'XP qu'on a, j'ai bien fait d'attendre avant de nous reposer. Alors, on a 10 des élixirs. Et c'est tout. Bon, pas de gil, dommage. Dommage. Bon, allez, 30 gil pour se reposer. J'espère pas qu'ils vont camper dehors quand même. En tout cas, du repos pour cumuler tout ça. Après, on va voir les PC, ce qu'on peut en faire, des points de compétences. Bon, là, je pense quoi, ouais, je passe un level déjà, ça c'est sûr. Noctis, c'est un peu plus d'avance que les autres. Ça, c'est vu comme on a fait un peu de solo. Waouh! Magnifique cette photo. Je la garde celle-là. Non, celle-là est moche. Le timing est parfait pour certaines photos. Bon, là, c'est sûr, je vais partager ça. Ah merde, ça la partage. Je crois que ça la partage via un réseau social du jeu, mais non, au final, non, c'est. J'ai pas envie de la partager du coup, ma pote. J'ai pas envie de la partager. Ok, allons-y.
voir le vendeur du coup ce qu'il a. Oula, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez sur la pour la voiture, messieurs? Autocollant, bande de course 2. Autocollant de série qui donne un regret, des allures de voiture de course. Oh, ouais, ça, ouais. Ouais, on va dire ça. L'heure, flanc, kit de réparation, super potion, bon, rien de particulier, mais merci à toi. Oh. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de vendeur d'armes. Mais bon, il faut bien de tout dans ce monde. Alors la quête, l'ami des chocobos qui est une quête qui est juste... La rainette, ouais, voilà, sur le retour. On va s'occuper de ça. L'ami des chocobos, l'apprenti bijoutier, il faudra y retourner. Elle est niveau 6, donc autant la faire. On la fera sur les trucs de farm, comme ça on retournera un petit peu faire des quêtes. Et hop un petit peu. Ami du chocobo, allez c'est parti. On y va. En voiture, Simone. C'est parti. Du coup, je suppose, ouais, faut prendre la route qu'on avait pris tout à l'heure. Nocto, anosa, nani ka shashin de totte hoshii request nai? Le mec, vas-y, moi. Ah? Onja, ore? Yoshi, makasete yo. Nocto toru wa. Ah, mani uken na yo. On te prend plus de photos jusqu'à la prochaine fois que le groupe dort. MDR. Ok, bon bah faut que je tape bien la pause alors. Mais le prochain ce sera Inis. Bon, allons voir ces chocobos, j'espère qu'on pourra monter dessus. Franchement ça me plaira beaucoup. Ça me plairait beaucoup, ouais. J'adore cette petite musique. Relaxante et tout. Allez, on est plus qu'à 250 mètres. C'est vrai que la route c'est long. Mais ceci, c'est quand même pas découvert la zone. On peut pas se téléporter d'un claquement de doigts. Ah oui, d'accord. Même quand je freine d'un coup. Allez voir si vous voulez. Ouais, t'inquiète, je t'ai vu, ma poule. Bon, on se gare ici, hein. Parce que du coup, je peux plus me garer par là-bas. Allez, je peux enchaîner. Nickel. Donc, ça doit être ici. Vu l'enclos, ça va être ici les trucs de chocobo. Et je peux pas y sauter. Sniff. Ah, la petite musique. Moi aussi, je suis un fou des piaf, dis pas ça. チョコボに。すまんが今は出せなくてな。今この辺りにベヒモス。通称スモークアイが出没しているせいだ。チョコボたちも怖がってるしな。万が一が起きないように。 貸し出しは止めてる。君たちは最近評判のハンターだね。どうだろう。引き受けてはくれないかな。もちろん報酬は弾むよ。無理にとは言わないが、ぜひ検討しておくれ。まあ、voilà, prendre des infos déjà sur un peu la zone qu'il y a tout autour de toi là. Voilà, les petits parkings. Il y a des villes. Des quêtes et des zones de récolte, ok. On va parler du contrat. La terreur de Duska, Morteuil. On va s'occuper de Morteuil alors. Elle a pas l'air très difficile cette quête. Et ça a pas l'air très cher aussi. Des smoothies, résistance au feu. À la glace. Ouais, ouais. P
PV maximum 400. Protège contre l'altération d'état, crapaud, attaque 80. Bon, pas besoin de ça, je vais manger des chips. Bon, un petit resto sympa, pas très cher. Ok, nickel. On va avoir un peu de vie comme ça. Parfait. Et on va aller débloquer ces chocobos. La terreur de Morteil, ok. Trouver l'entre de Morteil. Ok, bon, elle est pas très loin. Bon, l'entre doit être par là, du coup. J'espère que c'est pas un monstre trop difficile à tuer. Je serai dans la merde. Non, non. Je suis sûr que c'est lui. Ah oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui cloche. C'est sûr que la bête elle doit être énorme, elle doit être énorme putain. Ah bah ça c'est sûr, elle est énorme la bête. Ah oui, bah juste, je me fais direct bouffer par les. Par ces chiens de prairie là. Des chiens de prairie. On va en analyser un pour avoir. Ok, donc le javelot il sera utile. Ça c'est sûr. Un petit tourbillon, on va faire un peu de nettoyage hein. Ok. Du coup, comme tu connais leur combo de parade. Waouh, regardez-moi ça. Waouh, ce qu'on vient de faire les gars. Ça c'était beau ça. Ce qu'on vient de faire, c'est magnifique. Ok, nickel. C'est beau ce qu'on vient de faire les gars. Combo de parade, ça c'était magnifique. J'espère qu'elle l'a pris en photo. Poil de Kyonji. Mais j'ai l'impression que ces bêtes elles étaient effrayées. Elles voulaient pas nous attaquer forcément, mais. Anis, j'aurais dû te soigner, mec. J'avais pas vu, excuse. Camp de Behemoth. Ok. Donc des poils de Kyonji. Et là il y a une sorte de. Ouais. Il y a une sorte de. Il a pas tort en même temps. Le Behemoth il doit être là par là, je pense, c'est sûr, c'est son entre. Mode. Il est horrible le type. Ah il a qu'un œil, un Morteil. Bon, je suis impatient de le combattre. Ces petites dizaines d'infiltrations pour présenter un peu le gros matou. Je pense qu'il sait qu'on est là.
C'est vrai que c'est effrayant, je comprends les chocobos du coup là à ce moment là. Bon allez avance Noctis là, un directeur handicapé de gingembre. Tu te pisses dessus ou quoi? Bon, faut qu'on avance. Moi je me jette dans la gueule du loup comme on dit. Poil de Glanji, alors on a bouffé les Glanji. Bon. Je sens que c'est à partir d'ici que ça va être amusant là. Suivez-moi jusqu'à ça, non. S'il vous repère, vous perdez. Donc il veut pas. La traque prendra la fin, ok. On va le traquer alors. Sur son flanc droit, il nous voit pas, il nous verrait pas. Ok. Prenons un peu nos distances, mais pas trop quand même. Ok, on va s'approcher sans se faire repérer. Mais pour moi, on est dans sa tanière. Hein. On va se poser par là. On va se cacher ici surtout. Il est énorme quand même, bête quand même. Ça, un coup de patte, ça peut te one shot quoi. Je pense qu'on est vraiment dans sa tanière. J'ai l'impression qu'il fait des tours, des demi-tours. J'espère qu'il a vraiment une faiblesse à laquelle on pourra compter dessus. Je pense son flanc droit, c'est vrai que. Ça peut être une bonne solution pour le tuer efficacement. J'avoue que s'il avait entièrement ses deux yeux et sa force, une bonne force, il pourrait nous one shot en deux coups. Mais je pense que c'est pas le seul behemoth qu'on verra dans le jeu. Même si ce behemoth fait un petit peu référence à un des anciens Final Fantasy. Je vous laisse deviner lequel. On va trouver l'entre-feu entre les rochers et Scorwin. Ah, nickel.
On entend vraiment les animaux geindre et tout. Allez, faut qu'on arrive à se faufiler. Là, j'ai plus d'amis. Enfin, ils vont peut-être pop après. Ils sont là. Ok, nickel. Ouh, ça va être raide. Ça va nous aider. Donc là, la magie, rappelez-vous, un globe. Là, par contre, je sais pas si les méchants qu'il est, il n'est pas du tout résistant au feu. Là, on va mettre un truc que j'ai en plus. Ouais, non, piqûre de scorpion. Truc que j'ai vraiment envie de briser de Mesmir, j'en ai pas beaucoup. Ouais, bah ça, on va le faire une fois dans tous les cas, synthétiser. Ok, on va s'équiper de ça, on va la mettre à la mesure de l'albarde. Du coup, bah, je vais en absorber. J'en aurai besoin. Abattre Mortail. Ok. Au vu de tous les trucs qu'il y a autour là, je sens qu'il est vraiment pas du tout résistant au feu. Mais alors pas du tout. Stratégie, ok. Donc il nous a vu. Ok. Je suis en train de l'analyser. On va voir ce que c'est son, ce que sont ses ses défauts. Allez hop, l'analyse est terminée. Résistant glace et tout ça, ok. Bon, on va prendre l'albarde du coup. Allez, vas-y, mec. Ok. On va l'attaquer de dos. Mec, c'est la meilleure solution, c'est de l'attaquer dans le dos. Là, tu vas l'avoir. Et voilà, on va pas la refaire deux fois. Oh là là, il aime pas du tout ça. Ouf. Allez, allez, aidez-moi les gars. Allez, on va faire un petit marquage. Vas-y Gladio. C'est parfait. Mais si on fait le poids, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a tant de dire qu'on fait pas le poids. Nice,
Allez, allez, avance. Bon, on va prendre un élixir. Allez, Gladio, là, tu veux plus lui faire. Ok. Un autre tourbillon. Allez, allez. Parfait ça. Ok, on va reprendre un élixir. Allez, concentrons-nous. Gladio, un petit tourbillon. Son côté droit les gars, son côté droit. On va mettre une petite potion à Gladios. Comme ça, il va pouvoir récupérer un peu. Par contre, je suis en danger là. Si Gladio pourrait faire un tourbillon. Par contre, c'est pas. Bonjour! Il va pas me laisser en vie. Ok. Crève, créature. Putain, franchement, on fait pas le poids contre cette bête, mais on va réussir quand même. Faut que j'améliore vraiment ma stratégie au niveau de ça. À l'attaque de dos, à l'attaque de dos. Allez, une petite balle perçante. Allez, enchaînement. Allez, on enchaîne. Nickel. Ouh. On a quand même récolté un B. Mais un C en temps. C'est pas mal. Faut qu'on vraiment on s'améliore petit à petit, mais encore beaucoup de choses à améliorer. Donc, allons voir quand même si dans son lente il n'y avait pas autre chose. Bon, reprenons notre bonne vieille épée. Putain, à chaque fois je rate pour continuer mon endurance. Il y avait quelque chose ici. Ornica cassé. C'est sûr, il y avait quelque chose dans sa tanière. Il y a quelque chose après sa tanière. What the hell? On a tout pété pour sortir. Wow. Ok. Retourner au lieu de repos. Retourner à la voiture, c'est mieux. Et on va rendre la quête du coup.
Donc cette petite bataille de chocobo, de behemoth, je crois que ça a été le plus gros de notre let's play. On a commencé à se faire défoncer par des vieux, comment on peut dire ça, des sortes de rhinocéros poilus mélangés un peu à des éléphants. Et là on finit avec un gros behemoth. Donc franchement je pense que cet épisode il n'était pas inutile, voire au contraire il était vraiment vachement utile. Donc là on va pouvoir rendre la quête et au prochain épisode on pourra enfin tester les chocobos. Et ben, on ira voir notre cher bijoutier. Non, on utilisera le chocobo pour aller finir la quête. Vous savez, cette fameuse quête des grenouilles. Qui me plaît guère. J'ai l'impression que c'est encore une quête débile d'un MMORPG. Tiré d'un MMORPG. もちろん君たちにならいつでも貸し出すよ。ああ、nickel。心配してたとこだ。無事でよかった。 3000 giles. Nickel. On a été vachement bien récompensé. Et ça c'est cool. Pas mal, pas mal de points d'XP aussi. C'est cool. Donc là, faudra aller voir ce petit pono. Les chocobos doivent se remettre disponibles. Yeah. Permet de louer des chocobos. Nickel. Bah les amis, on pourra louer des chocobos. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve au prochain épisode très rapidement. Allez, à tout de suite.